Je suis Farid Jaffar, j'ai 30 ans. Je pratique le sambo à Marseille, à Saint-Pierre. J'ai commencé par le pied-point. Donc, j'ai commencé par le kung-fu dans un premier temps. Ensuite, il y a depuis 6 ans, je suis au sambo Saint-Pierre. Et le MMA, donc, ça a commencé donc, il y a quelques temps. Donc, ça va faire 3-4 ans. Donc, on s'est mis un petit peu. Disons qu'on a toujours fait un petit peu de pancrasse, mais voilà, donc, mais avec les frappes au sol, ça s'est fait depuis 3-4 ans. D'accord. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, j'essaie de m'entraîner à raison de 3-4 fois par semaine. Donc, j'essaie de courir le week-end, de compléter un petit peu avec de la musculation. Voilà. Bah, le HFC donc, permet à pas mal de combattants, donc, comme moi, de français, de pratiquer le MMA. Sachant qu'en France, donc, on n'a pas cette possibilité. Donc, c'est un bon moyen de faire ses premiers pas avant de peut-être se prétendre aux grosses organisations. Voilà. Okay. Alors, je m'appelle Stéphane Keppel, je fais 81 kg, je mesure 1m78. J'ai connu le MMA par chez Aziz, parce qu'en fait, sur la base, je suis boxeur en française. Et puis, quand je suis arrivé chez Aziz, j'ai commencé à voir les combattants s'entraîner. Et puis, ça m'a plu. Et j'ai tenté. Et puis, voilà, j'aimerais bien essayer. C'est ma première expérience. Puis, on va voir ce que ça donne ce soir. On va surtout se faire du plaisir, beaucoup de plaisir. Et puis... D'accord. Justement, pour ce combat-là, tu t'es entraîné combien de fois par semaine? Je suis à pratiquement 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Les entraînements, tu les orientes vers une aptitude physique particulière, plus vers l'endurance, la force? Un petit peu tout. On a fait quand même un peu tout, parce que comme le MMA, il faut travailler tout debout sol, c'est-à-dire que c'est quand même assez physique. Alors on a travaillé un peu tout. Et puis... D'accord. Et quel est le secteur où tu te sens le plus à l'aise? Après, j'irai debout, en pied-point. Mais après, il faut voir. L'HFC dans 10 ans, comment tu le vois? Franchement, qu'il soit même partout, vraiment, il soit développé partout. Parce que là, franchement, c'est du plaisir, comme je dis. C'est une nouveauté qu'il faudrait vraiment la lancer, il faut que ça sorte. Il faut toujours aller à des longues distances, c'est vrai qu'on pourrait le faire plus proche de chez nous. Peut-être tous les week-ends avec d'autres trucs, mais dans le même style, ça peut être pas mal aussi. Ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci, c'est moi qui te remercie. Referee of this fight, Mr.